Tatiana, Star Academy, euphorique. Grande étape dans carrière, elle se rapproche de ses idoles. C'est l'une des révélations de cette saison de la Star Academy, arrivée intimidée et peu sûre d'elle au château de Damarilis. La jeune Sienna, seulement âgée de 18 ans, s'est libérée pendant les 5 semaines passées dans la Star Academy. Avec son humour, son intelligence, elle a séduit ses camarades, notamment Léa. Sa grande amie, mais aussi les profs et les artistes, qui ont été touchés par sa voix et sa présence. Notamment Jim et Dadju, dont elle est très fan et avec qui elle partageait un duo. Mais également Slimane ou Amel Ban, qui ont adoré sa fraîcheur. Et c'est donc avec beaucoup de joie qu'elle a annoncé à ses abonnés sur son compte Instagram qu'elle s'apprêtait à rejoindre ces grands noms de la scène française actuelle en signant avec Indifférence Pro. Leur maison de disques qui s'occupe de leur carrière à plein temps. Stylo Diva place Holdé à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum 8 990px, Diva. A place Holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Je suis trop heureuse de vous annoncer que j'ai enfin signé avec Indifférence Pro. A-t-elle lancé, la voix mêlant émotion et euphorie. Je suis trop heureuse, j'en tremble. Tout à l'heure. J'ai même pleuré de joie. Je ne vais pas la refaire mais je suis trop heureuse. C'est grâce à vous, vous avez cru en moi et vous êtes tous les jours à m'envoyer des messages. De la force, vous allez voir, il y a plein de choses qui sont prévues. Il y a plein de projets, vous n'allez pas être déçus, a-t-elle promis à ses abonnés. Nombreux à avoir notamment été conquis par son duo avec Léa sur Quand on n'a que l'amour. Stylo Diva place Holdé à 1 et à 2, 8 300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum 8 990px, Diva. A place Holdé à 1 et à 2, 8 620px, minimum et 350px, style. La jeune fille va désormais pouvoir se consacrer à sa carrière qui s'annonce déjà flamboyante. Elle marque une grande première pour cette édition de la Star Academy, en dehors de la gagnante. Anisha, dont l'album faisait partie de la récompense finale, elle est la première à signer avec une maison de disques. Et pas n'importe laquelle. La nouvelle a en tout cas ravi Slimane, qui avait reçu son disque d'or des mains de la jeune fille sur scène et qui a commenté « Bravo !» et « Bienvenue à la maison !» Sola, autre artiste de la même production lui a également souhaité la bienvenue et on imagine que tous les autres doivent avoir hâte de la découvrir mieux. Heureux pour elle, ses anciens camarades lui ont également adressé de tendres messages de félicitations, « Félicitations Bella !» C'est une super nouvelle, lui a notamment écrit Amis, rapidement suivi par Carla. Adorable avec un bravo ma beauté enthousiaste. Et on imagine que Léa, Enola et Louis, ses amis du château, étaient parmi les premiers au courant.